Jazz, à quoi tu joues? Ça se voit pas. J'essaie de créer un plan machiavélique. Enfin non, un plan de business. Machiavélique, c'est pas le bon nom. Bah moi, je trouve que si. Tu crois que ton opinion intéresse tout le monde? Ferme. Enfin bref, j'ai fini. Regarde. Regarde ça. Ça, c'est l'île des héros. Ouais. Et là, ça, c'est moi en train de prendre ma remake 2. Mais tu peux pas recevoir d'argent. Oh, je vais monétiser justement. Il y aura beaucoup de personnes avec des goûts valeureux, comme les personnes toxiques. Ils vont adorer ça. Ils vont dire, ah, c'est trop bien. Être un connard, c'est cool. Et donc, l'île des héros sera l'île de Tuttle Land. Il y aura des fêtes foraines, de l'usine, une hôtel, un restaurant fast-food McDonald's et de Quick. Et meilleur que Burger King, sans oublier des tas d'attractions super géniales. Il y aura même une porte, des milliards de personnes toxiques où seront allées. Pourquoi des personnes toxiques? Parce que les personnes toxiques, il y en a beaucoup et ça rapporte beaucoup d'argent. Mais les personnes toxiques sont les pires. L'histoire, l'harcèlement, quoi que ça donne. Qu'est-ce qu'on s'en tape? C'est leur plaisir qui compte. Hein? Mais ils sont jamais contents. Qu'est-ce que je m'en tape? De toute façon, c'est l'argent qui rapporte le plus. Et j'ai pensé à quelque chose pour la bande à Franklin et de Mickey, le souris pourri. Franklin sera. Je vais lui donner les jambes quand même. Parce que je suis quand même gentil. Franklin, il fera le clown du spectacle. Simba, il fera la poubelle. C'est-à-dire qu'il va jouer les dépotoirs et il va avaler toutes les poubelles qui s'y trouvent. Petit Fox fera l'esclave en nourriture. Elle va ramener beaucoup de nourriture gratuitement. Petit Dinosaure Violet, bah, il fera le chômage. Parce que il sert à rien. Et quant à Mickey ainsi que les autres larbins, ils seront les tapis. Mais c'est horrible ce que tu fais! Non mais non, franchement, je suis pas d'accord avec toi! Eh! Tu sais quoi, tu m'emmerdes. Puisque tu continues à m'emmerder encore une fois, je vais t'envoyer aux prisons comme je l'ai fait avec Brady Boo et Finn. Finn! Ouais, exactement. Donc tu la fermes, si tu essaies de me contredire encore une fois, je t'envoie en prison. Mais il n'y a pas de mais! Dégage! Oh, c'est ok, d'accord. Et vous avez regardé la vidéo, hein, la bande à Franklin. Mais sauf que vous ne pouvez plus rien faire maintenant que j'ai mis une barrière. Vous êtes coincé maintenant. Mais enfin bref, je me tire. Et de toute façon, je serai gagnant. Vous pouvez essayer, vous pouvez utiliser votre combine, ça ne marchera jamais. Je voulais toujours faire ça, enfant. J'y pense que maintenant, vous me demandez où je voulais y aller. Mon rêve va se réaliser. C'est le camp des défis extrêmes. Je me rapproche du firmament. Je fais mes bagages, je suis déjà gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'ai déjà gagné. C'est le camp des défis extrêmes. Na la 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 na na. I wanna be, I wanna be, I wanna be famous. I wanna be, I wanna be, I wanna be famous. Jake, ça va mon pote? J'arrive plus à dormir de la nuit depuis, ça devient super chiant. Et pourquoi, à ton avis? Doc Dodgers, il a osé enfermer mon meilleur pote. Ouais, ça, on avait vu ça, qu'il avait enfermé Finn. Et ça, par contre, c'est impardonnable. Oser enfermer mon meilleur pote tout simplement parce que Finn a voulu les aider, je veux bien comprendre son truc, mais là, par contre, essayer de le faire enfermer alors qu'il fait pas partie de l'émission, c'est forcé, c'est encore un kidnapping. Avant c'était Franklin, maintenant c'est Finn. Là, cette fois-ci, y en a marre. Il faut vraiment qu'on puisse faire quelque chose. Et tu veux qu'on fasse quoi, du coup, Jake? J'ai pas d'idée. Grand Schtroumpf devrait pas tarder à arriver en plus. Ah bah tiens, le voilà. Ça y est, j'ai quelque chose en plus. Qu'est-ce que quelque chose en plus? Qu'est-ce qu'il a, trouvé? J'ai trouvé bah en fait. Tu as trouvé quelque chose d'autre quand t'es revenu au camp? Exactement. Barley m'a apporté un petit coup de pouce.
dans une clé USB. Il y a dans ce cas quelque chose qui m'a mis dedans. Et il m'a dit que ce serait très pratique. Pratique? Oui, enfin. Venez, on va regarder ça. Je me demande ce qu'il a fait. Oh non, il y a encore ceci. Allez, on enlève ça. Et on met ça. Oh, je connais jamais le sens de cette clé, hein. Franchement, c'était ridicule. Si c'était des crottes de nez, ça aurait été encore génial, encore mieux. Par ailleurs, ça me fait penser d'ailleurs que quand même, au camp des défis extrêmes, Zelda a dû quand même être éliminée. Ouais, franchement, c'était pas cool quand même que Zelda soit éliminée, elle a franchement rien fait. Bah, que veux-tu, c'est les commentateurs qui doivent éliminer quand même pour celui ou celle qui doit être éliminée. Si vous voulez savoir mon avis, franchement, The Dodger est en train de manigancer quelque chose et j'ai compris quelque chose. Et tu penses quoi? Du fait que Doc Dodger utilise plusieurs plans d'affilée, à chaque épisode il utilise un plan pour une personne différente pour qu'il puisse péter un câble pour qu'ensuite qu'on doit tous voter contre lui. Ça, par contre, j'appelle ça du favoritisme. Dans un autre terme, c'est que Doc Dodger, il veut absolument que les... Il veut éliminer déjà toutes les filles. Il veut éliminer absolument toutes les filles. Déjà, ne serait-ce que Zelda. Et ensuite, il veut faire éliminer Mayona. Après, il va faire éliminer... Je suis sûr qu'il va bientôt faire éliminer Brigitte. Et ainsi de suite, pour n'avoir que des mecs. Ouais, mais de toute façon, elle est sexiste. Ah, j'ai oublié. Quoi? Oh, c'est vrai, je suis dans la Select. Encore? Oui, je suis dans la Select avec Mayona et Barley. Oh. Oh. Grand Schtroumpf, j'espère que... Alors, j'ai peur. En ce moment, j'ai très peur. Déjà, j'ai pas réussi à assurer sur l'épreuve précédente. D'autant plus que... Je suis dans la Select. Mais franchement, pourquoi te virer toi? Jusqu'à présent, t'es cool et puis, t'apportes du soutien à ton équipe et jusqu'à présent, tu t'entends très bien avec Barley. Oui, je m'entends très bien avec Barley. Et comment ça se passe avec Mayona? Elle a pété un câble d'une puissance phénoménale. Elle était dans une colère noire, je vous raconte pas. Oh. Je voulais essayer de la calmer et de la remettre en bonne résonance, mais ça a été trop tard. Elle a tellement pété de câble à insulter tout le monde, elle m'a même donné mal au crâne. Je vous jure que son comportement était complètement puéril de sa part. Et du coup, tu fais quoi au final? J'ai peur de son élimination. J'ai très très peur. Si elle est éliminée, Mayona, tu vas faire quoi? Déjà, ça va me rendre un peu triste, mais il faut savoir un truc. Je saurai être fort. Barley, il a quand même perdu... Enfin, son petit frère est quand même éliminé. Ensuite, Chop et Zelda, Zelda est éliminé. Du coup, Chop doit être fort. Alors, moi aussi, il faut que je sois fort. Tu sais, rien n'est encore joué. Ça peut être toi, Mayona ou Barley. Là, je pense que... Je sais pas pourquoi, mais je sens que Mayona va vite partir. J'ai ce pressentiment que ça va arriver. T'en sais rien. Je sais pas pourquoi, mais là, pour l'épisode, moi, j'ai rien fait de mal. Barley n'a rien fait de mal. En toute logique, ça peut être que elle. T'en sais rien, grand Schtroumpf. Oh. Bon. Du coup, c'est quoi ton idée, Jake? Je vais faire une espèce de compilation humiliante pour que tu le ramèneras, bien sûr, au camp. Oh, génial. Jake. Tu veux que ce soit toi ou plutôt moi? Cette fois-ci, je sens que ce sera moi qui vais le faire. Je trouve que je n'ai pas assez intervenu. Alors moi, Jake le chien, qui fait sûrement les malheurs-makers, mais avec cette vidéo, je vais faire en sorte à que ce soit encore beaucoup plus drôle. On va ajouter quelques musiques, quelques effets spéciaux et quelques titres par-ci par-là. Et là, la vidéo sera encore beaucoup plus marrante. Fais-moi confiance, grand Schtroumpf. D'accord. Allez, vas-y.
Génial! Maintenant, grand Schtroumpf, je pense à toi de jouer. Merci! Et surtout, n'oublie pas de la montrer à tout le monde! Oh, ça va franchement être le plus marrant de toute l'histoire de l'humanité! Et là, t'aurais pu ajouter des crottes de nez à ton montage! Mais non! Gigapoint! Mais pourquoi tu me rediriges comme ça? Parce que tu fais vraiment que des conneries! Un Poppy? Franchement, je me demande comment t'as fait pour réussir malgré tout ça. Malgré pourquoi? Parce que le fait que tu n'as même pas de bras, et en plus de ça, t'es pas vraiment compétitif. Oh, pour ça, comme tu le sais, il faudrait savoir être poli et quoi que ça d'autre. Et j'essaie de me donner à fond dans les épreuves. Il a quand même raison, hein. C'est vrai. Ouais, de l'autre côté, c'est vrai. Bonjour, Telmoud. Pourquoi me regarder comme ça? Oh, je me souviens, la dernière fois, tu étais franchement irritante. Franchement, je veux bien comprendre le fait que tu aies des caractères, mais de là de nous insulter, c'est impardonnable. C'est vrai que j'ai été complètement loin dans mon comportement, mais je pouvais pas le contrôler. Non, sans blague, tu crois, hein? Je veux dire, moi, des fois, j'en fais des bêtises, mais je reconnais mes erreurs. Est-ce que toi, tu reconnais tes bêtises? Bah oui. Alors, je t'écoute. Je suis désolé de m'avoir énervé. Et donc quoi? Je me suis excusé, donc voilà. Ça faisait plusieurs fois, j'en fais des efforts pour m'excuser. Ouais, c'est clair, ouais, mais ça pardonne pas toujours comme on me le fait. Faudrait que tu te rachètes. Sauf de côté, tu as quand même raison. Oh, c'est pas vrai, tu n'as pas vraiment fait une bonne performance. Ça, c'est franchement pas cool du tout, hein. Mayona, ça va? Bonjour, grand Schtroumpf. Alors, apparemment, tous les candidats, tout le temps, sont en colère contre toi. Ouais, allez savoir pourquoi. Chop, tu es pas si en colère que ça, pourquoi? Ah, j'ai l'habitude avec elle. Oh, je vois. Je vois très bien. Très bien. Ouais, c'est clair. Mais franchement, Chop, je comprends pas. Comment tu fais pour la supporter malgré tout ça? Bah, c'est son habitude d'être en colère. Mais à ce point, elle nous a insultés, tout ça parce que Zelda a été éliminée, et tout ça parce qu'elle a cru à une vidéo stupide. Ouais, bah de l'autre côté, c'est comme si la faute de Dr. Chop, c'est Mayona a pété un câble. J'avoue qu'il n'a pas tort. Ah, c'est peut-être le cas, oui. Eh, en parlant de Dr. Chop, je vais... montrer quelque chose. Eh, salut, loser. Grosse merde. Grosse poufiasse. Et toi, gros débile, c'est l'heure de l'élimination. Tu en as pas marre de nous insulter tout le temps? Ah! Eh, t'as pas le droit de faire du mal, pchon! Eh, tu as martyrisé le grand Schtroumpf. Ouais, mais regarde ce que je lui envoie. Oh. Ça fait mal! Je t'ai fait un coup de pied vers le coussin. C'est pour assurer le fait que je te martyrise pas tant que ça. Je t'ai fait un coup de pied vers le coussin. Ouais, mais c'est quand même martyrisé. Mais est-ce que ça te fait mal que ça? Un peu, mais... L'atterrissage est un peu délicat. Tant que vous n'avez pas intérêt à dire que j'ai fait du mal à grand Schtroumpf, hein? Enfin bref, l'élimination! Oh oui, mais quand même... En plus, ça sent le parfum. Et ça pique pas. Bon, maintenant, grouille-toi! Oh, ça va. Je préfère même pas imaginer l'élimination. Ah, moi non plus. Oh, ça fait déjà deux fois que je suis dans la case. Franchement, c'est pas cool du tout, hein. Tu dis ça, mais sauf que je rappelle quand même que Loulou y était aussi dans la case d'élimination. Sauf que, cette peste-là a osé enfreindre les règles. Mais enfin, bref. Vous trois, vous êtes dans la liste d'éliminés parce que le fait que vous n'avez pas bien fait l'épreuve, surtout toi, quand je trouve. Mayona, tu as été énervée du fait que tu as pris ta grosse colère et que tu as fait n'importe quoi, tu t'es montré désagréable envers tout le monde. Et est-ce que... Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Mayona a été gentille? Non. 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 Voilà. Tout le monde est contre toi. J'ai pas dit ça.
Si tu es contre elle, hein? Dis-le, dis-le, dis-le. Hey, hey, quoi? Aïe! Dis que tu détestes Mayona. Mais dis que tu détestes Mayona, hein? Oui, je déteste Mayona. Parfait. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Bref, maintenant tu l'as compris. Barley, tu es dans la secte pour n'avoir rien foutu de l'épreuve et surtout que tu as montré une vidéo merdique et qui est complètement fausse. Non, c'est une belle vidéo. Enfin, de toute façon, tout le monde croit pas à cette connerie, hein. C'est toi qui le dis. La ferme. Et quant à toi, quand je trouve, malgré le fait que tu as participé à l'épreuve, tu n'as rien fait d'exceptionnel du tout, hein. Si ça aurait été moi, bah, je dirais quand même au revoir à Mayona. Hein? Mais... Mais il n'y a pas de mais. Bon, enfin, bref. Voici une décision très, très décisionnaire. Pour les bonus. Mayona, tu n'en as aucune. Oh, fallait bien que j'y attende. En grand, je trouve, tu en as reçu des votes. Cool, c'est moi qui ai le bonus? Pas du tout, Barley. Hein? Quoi? Exactement, Barley, c'est toi qui as atteint le nombre de total de votes. Et grand, je trouve, tu en as certes des votes de bonus, mais tu n'en as pas beaucoup, hein. Super! C'est quoi le bonus? Je peux pas te le dire. Bref, Barley, tu as le bonus pour cet épisode. Trop cool! Et pour l'élimination, j'aimerais quand même faire épargner grand, je trouve, parce qu'il n'a aucune vote. Oh, c'est trop cool! Ça veut dire que je continue l'aventure? Ouais! Pour l'instant, va rejoindre dans les immunités. Trop cool! Content que tu es quand même resté dans l'aventure. Oh, ça fait vraiment plaisir. Hein. Oh, hey, toi, puisque Mayona est ton élève, je pourrais être ton élève? Je n'ai que dit que les pouvoirs magiciens, pas des karatés, bon, espèce de... Oh, laisse tomber. Mais enfin bref, ce sera entre Barley et Mayona. Oh non! Et je pense que l'éliminé sera... Mayona périmée depuis des siècles. Quoi? Je reste dans la voiture? Ouais! Désolé Mayona, mais si bon, c'était quand même pas volé. Désolé. Quoi? Non! Dr. Jones, tu crois sincèrement que tu vas nous faire avoir cette fois? Non! T'as qu'à voir les commentateurs. Cette fois, je n'y suis pour rien. Désolé, c'est comme ça. Mayona, malheureusement et heureusement pour moi, et franchement heureusement pour le public, tu peux être fait remettre. Tu es éliminé pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, c'est pas une... Cette fois-ci, c'est une élimination juste. Très juste, parce que t'es une fille. Non, c'est pas vrai. J'aurais dû... Oh, c'est pas vrai, j'ai encore perdu. Oh, Mayona. Tu étais... Malgré le fait que tu aies pété un câble pour rien, tu restes quand même mon élève que j'apprécie vraiment le plus. Et ton départ me fera vraiment beaucoup plus de peine. Parce que pour être tout à fait honnête, tu n'es pas seulement une simple élève, tu es aussi comme une... Comme ma petite fille tendrée. C'est du poussière? Non, c'est des larmes. Oh, quand je trouve, je n'ai jamais entendu une parole aussi belle. Oui, tu vas me manquer, Mayona. Attends, c'est grand trou. Câlin. Je peux pas m'empêcher de pleurer. Non, c'est vraiment trop triste à voir. Je sais que tu as pas, mais... Je pleure. Oh, Mayona, tu m'as manqué. Pareil pour toi, grand trou. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Ça suffit les moments trop pleurades, quoi que... Ouais, tu vas me moquer, ouais. Alors que sachez le fait que tu peux quand même le revoir tôt ou tard, espèce d'abruti vieux schnock. Et quant à toi, Mayona, tout le monde sera content parce que tu dégages. Bon, arrêtez de pleurer, avouez que vous détestez Mayona. Pas du tout, si vous détestez. Bon, enfin bref, qu'importe. Allez, je vais emmener cette tas de merde dans la cabine d'éliminés. Bon, ok, je vais pas essayer de me lamenter encore et encore. C'était dur. Mais
Voilà, je devais devoir y faire. Franchement, tu m'as beaucoup épaté. Là, d'abord, ça me fait rappeler la fois lorsque Zelda a été éliminée. Ouais, je comprends totalement ta peine. Je comprends totalement. Et moi, ça me rappelle la fois lorsque les Shona a été éliminé. Bah quoi? Oh, ça pue du mayonnaise. Je pouvais pas le supporter. Il croit sincèrement que je vais pouvoir laisser rester dans la cabine pendant trop longtemps? Non, franchement, ce mec me dit rien qui vaille. Il faut que je retourne à la maison pour mieux étudier sur ce mec. Maintenant que je suis plus candidat, Zelda, t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen pour te faire sortir de là. Quand je trouve, j'espère qu'honnêtement, tu vas pouvoir rester un peu plus longtemps dans l'émission. Il faut vite que je trouve un moyen. Ouais, franchement, ça craint d'abord Zelda et maintenant Mayona. Ouais. Mais franchement, si c'est juste pour les faire éliminer aussi Loulou et Brigitte, franchement, il peut aller se faire mettre. Enfin, de toute façon, vu qu'ils connaissent maintenant les plans de Tata Jones, il pourra plus marcher, hein. Sauf si, bien sûr, ils trouvent toujours un moyen de s'arranger. Il est pas si bête que ça, Tata Jones. En fait, c'est presque comme un candidat. Ça, c'est bien dit. Tu penses encore à Zelda? Oui, j'essaie de ne plus rappeler, mais voilà. Oui, c'est ta chère et tendre douce petite amie. Ouais, c'est le cas de le dire, évidemment. Enfin bref, les mecs, j'ai un plan pour vous. Hein? Ouais? J'ai un clé USB avec tous les moments humiliants de The Dodgers pour me venger de toutes les fois où il a fait oser faire du mal et surtout quand il a fait oser faire éliminer Mayona. Il est content de lui faire payer pour ce qu'il a fait. Ouais, ça je te fais vraiment pas dire. Oui, mais sauf que le problème, la dernière fois, Barley ou bien encore toi, tu as encore perdu l'épreuve. C'est vrai que de l'autre côté, tu as raison. Surtout que j'ai aucune envie d'être dans la liste des éliminés. Surtout que si jamais je suis dans la liste, ils vont sûrement éliminer. Qui te dit? Je sais pas, moi. Bon, Mayona, c'était sûr parce qu'elle avait pété un câble. Enfin, désolé, grand chose. Ouais, ça va, c'est l'habitude. Mais seulement, c'est vrai, il peut y avoir des chances que tu peux être éliminé. Tout ça parce que je suis un nouveau Pokémon, hein. C'est n'importe quoi. Mais je sais pas, mais les fanboys toxiques, les fanboys Pokémon ont franchement des gros problèmes en ce moment. Ouais, exactement. Trop de problèmes. Trop de nostalgie, ça m'énerve. Mais dans ce cas, mais en tout cas, on peut pas demander ni à Aaron, ni à Loulou, ni à Brigitte, ni à Bobby, ni à Barley. Ils vont sûrement dire non, même si bon, c'est pour une bonne cause. Mais alors, à qui on va devoir donner la clé USB pour transférer tout ça? Saluté! Ren? C'est qui lui? Ren? Ouais, Ren! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas candidat! Normalement, je devais être candidat! Mais ce connard de Dodgers m'a fait bannir juste parce que le fait que je suis un bousquito ou quoi que ça d'autre! Quoi? Oh, mais je te jure, quoi! Moi qui pensais qu'il décide de faire éliminer seulement les filles, hein! Pas t'as tort! Non, mais c'est n'importe quoi! Eh, salut, grand schtroumpf. Apparemment, tu serais pas celui qui se fait balancer les tomates par Spider Mooney et craquer son pantalon. Ouais, ce serait sympa, connard. Ça te dirait un petit coup de pied dans les couilles? Non, ça va, j'ai compris. J'ai déjà été trop énervé pour aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Tu avais bien parlé de Dr. Joss? Bah oui, justement, je devais transférer les vidéos sur l'ordinateur, mais on ne sait même pas quoi faire. Laisse-moi faire, tu lobes de la situation. Hein? Écoute, si tu veux, c'est ma façon de pardonner après la fois lorsque je t'ai moqué de toi concernant sur la conférence. Ok, je te la donne. C'est surtout parce que le fait que je vais me venger de ce connard de Dr. Jones pour avoir osé ne pas me faire participer à l'épreuve. Ouh, c'est vrai à ce point-là? Ouais, exactement. Bref, ce sera vite fait, bien fait. Ah, bonne chose, Red. Et surtout, fais bien attention à remettre en Rikiki, hein. Il sait ce qu'il fait. Bon, pour l'épreuve. Épreuve time! Waouh! Regardez-moi tous ces bonbons! Complètement insensé. Sam? En fait, ces bonbons, ça a été fait par moi en réalité.
Eh si! En fait, c'est quoi l'épreuve? En fait, c'est une question de chance. L'épreuve, je vous explique. En fait, il suffit juste d'avoir une question de chance. Et donc, je vous explique très bien. Ces bonbons-là, ceux que vous voyez là, il y en a 4 qui sont bons. Enfin, il y en a 3 qui sont bons et 4 qui sont mauvais. Et là, c'est quoi? C'est celui qui a le meilleur bonbon de tous les temps. C'est-à-dire le parfum parfait. Et donc, l'épreuve est très simple. Celui qui a le meilleur bonbon aura gagné l'épreuve. Et il aura même le droit de choisir un candidat qui n'a pas su réussir l'épreuve. Mais par contre, celui qui a eu le bonbon, mais qui était quand même bien, mais mangeable, n'aura pas gagné l'épreuve. Mais au moins, sera immunisé pour l'aventure. Par contre, celui qui a le mauvais bonbon, c'est-à-dire dangereux, voire même qui peut vous rendre fou, vous aurez perdu le défi. Et ça, je lui ai fait suivre les conseils de la notice du livre. Et pourtant, je sais pas pourquoi, mais normalement les livres, ça devait m'aider, hein. C'est parce que ces livres, ça a été fait par moi. Bref, je vous souhaite bonne chance. Et attends une minute, et moi le bonus dans tout ça? Ah, justement j'en viens. Vu que tu as réussi à avoir le bonus, tu auras une à 10. C'est déjà bien que rien. Alors, à côté du Malabar, se trouve le moins pourri. Et ça se situe à droite du Malabar. À droite du Malabar, c'est ça? Et vu que je suis gentil et que je t'ai donné un 10, c'est toi qui commence le premier. D'accord. Alors, réfléchissons à droite du Malabar. Ah, ça a l'air... C'est pas vraiment évident comme... Oh, je sais! À droite du Malabar, c'est en fait... ça? C'est un chewing-gum, mais rien de particulier. Oh, c'est un chewing-gum assez mâché. Donc c'est mauvais? Non, c'est juste que c'est correct. Donc Barley, tu n'as pas gagné, mais tu es immunisé. D'accord, c'est déjà bien que rien. Brigitte! Prends ton temps surtout, ma beauté. Enfin, je veux dire, j'ai déjà Guy Burly. Cette monstruosité mocheté. Hey, je t'interdis d'insulter. Chut. Voilà. J'ai goûté ça. C'est bizarre. C'est quoi cette odeur? Oh, ça. Tu peux me décrire? On dirait une sorte de poisson. Oh, ça vient de l'égout. Brigitte, t'as perdu l'épreuve. Bobby. Mais je n'ai même pas de bouche. Stéphane. Comment tu fais pour manger? Je veux juste prendre ça et... Tu avais dit que tu n'avais pas de bouche. Mais... Dans ce cas, tu n'as pas gagné. D'accord. Oh. Ce qui donne le fait que Barley et Bobby ont juste gagné l'immunité et Brigitte est dans la sélection de l'immunité. Oh, c'est pas vrai. Loulou, à toi de jouer. 1, 2, 3. Alors réfléchis, Loulou. L'orange. C'est bizarre, ça a quand même un goût de l'orange. Mais pas vraiment sucré. Ah, dans ce cas, c'est correct. Loulou, t'as gagné l'immunité. Super! Ce qui donne le fait que Loulou, Bobby, Barley ont gagné de l'immunité et Brigitte, non. Ce qui voudrait dire qu'il ne reste plus qu'une... Oh, la ferme, c'est moi qui devrais dire l'épreuve. Ça voudrait dire qu'il ne reste plus qu'une seule bonbon qui soit parfaite, les deux autres qui sont mauvais... Et une qui... Attendez une minute, tu t'es trompé là. Ça voulait dire que tu avais bien dit la dernière fois, il y avait 3 bonbons à l'immunité et les 4 autres sont pourris. Ah, ça voudrait dire que... Ce sera, il y aura un candidat qui aura l'immunité parfaite. Mais bien sûr, vous pouvez passer l'épreuve juste pour avoir une bonne stratégique. Tu pouvais pas me dire ça avant? Oh, t'as pour moi, Harold. Ok. Le rose, c'est toujours la meilleure. Non.
C'était quoi ça? Désolé. Désolé. C'était quoi? C'était une bonbon à haricot. La honte. Chap. Alors, je pense que stratégiquement, je vais passer. Tant pis, d'accord, ça est tout à fait égal, comme tu veux, grand schtroumpf. Oh, merci, Chap, tu es vraiment un vrai. Chap, qu'est-ce que je dois choisir? Pas de coup de main. Mais ça va. Oh, franchement, j'ai pris une douche, franchement, je ne tiens pas. Les malabars sont toujours les meilleurs. Pas souvent. Qu'est-ce que tu en sais? Oh, c'est bon. Oh non, j'ai que des salissures partout. Oh non, mes vêtements. Calme-toi. Rejoins vers les autres. Moustillon. T'es vraiment cruel, toi. Je te pardonnerai pas du tout. Bon, il me reste plus que moi. Ça voudrait dire que... Allez. Vas-y, Moustillon, je crois en toi. Oh, d'accord. Bon, j'ai réussi, c'est la preuve. Oh, c'était plutôt... C'était plutôt quoi? Je crois savoir qu'il s'agit de bonbons, qui permet de rendre stupide. Oh non! Et donc, Chap? Alors, ça veut bien dire que... Que ça, c'est pour moi? Oh, c'est bon, c'est trop parfait, oh, l'odeur. C'est trop bon. C'est trop parfait. Et donc, Chap vient de remporter l'épreuve. Pour la deuxième fois depuis le début du réunification. Bien joué, mon gars. Bon, maintenant que quelqu'un ramasse tous ces bonbons, tous ces paquets, hein. Bande de pollueurs. Tu crois que t'es mieux placé? On s'en fiche. Chap, tu es le plus grand vénard de ce défi. Donc, félicitations, mon gars. Quant à Loulou, Bobby et Marley, vous avez pas réussi l'épreuve, mais vous avez quand même une immunité. Donc, ça va. Mais par contre, Brigitte, Harold, Boustillon et Grand Schtroumpf, vous avez perdu l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de t'aider à te faire sortir de la honte. Hein? Quoi? Ouais, exactement. Mais tout n'est pas fini sur l'un d'entre vous. Chop, vu que tu as gagné l'épreuve, qui vas-tu choisir? Surtout ne choisis pas Brigitte. Merci, sexiste. Je suis pas sexiste, je suis un loup solitaire. Nuance. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Allez, sois un bon garçon et choisis-moi. Enfin, si tu peux. Hey, choisis-moi, allez, choisis-moi, tu étais quand même sympa, donc sois gentil avec moi. Non, j'ai pas été assez mal. Pour être tout à fait honnête, j'aurais pu choisir Grand Schtroumpf, mais moi qui a pris Moustillon en tant que premier starter de Pokémon, moi qui a beaucoup plus d'expérience avec lui, je c'est quand même grâce à lui qui a pu me faire sauver à cause de chewing-gum, enfin quoi que ça d'autre. Donc, Moustillon, c'est toi que je vais choisir pour le bonus. Ah bon? Oh, merci beaucoup, Chap. Je savais que t'es pas mon maître pour rien.
De toute façon, c'est quand même un bon maître. Ça veut dire que je suis encore dans la série des éliminés. Oh, je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Oh non! Malgré tous les efforts, j'ai perdu l'épreuve. Ah, c'est vraiment pas de chance du tout. Donc, Boustillon, tu vas devoir rejoindre les immunisés. Trop cool! Merci beaucoup, Chuck! T'es vraiment un vrai pote! Merci. Ouh, ça, c'est un vrai, ça, c'est ce qu'ils appellent de l'amitié. Hein. Non, c'est ce qu'ils appellent du favoritisme. Je ne parle pas de toi. Hein. Bon, enfin bref, ce qui voudrait dire que... Hé hey, connard! Ren? Comment on se retrouve, bouffon? Tu croyais sincèrement pas que j'allais renoncer tout ça, hein, malgré le fait que tu as mis des barrières? Comment t'as fait pour contourner tout ça? Ah, c'est très évident. J'ai creusé. Grâce à ma nouvelle capacité tunnel, tout est possible. Ah, j'aurais dû me douter. Ah, il faudrait que je prévoie beaucoup plus de sécurité. Ah, si jamais la bande à Franklin prévoit de creuser. Franchement, je suis mal. Enfin, de toute façon, je suis pas mal barré parce que de toute façon, j'ai déjà mis beaucoup de systèmes d'alarme. Mais toi, comment ça se fait que... Ah oui, c'est vrai, j'ai mis uniquement l'alarme sur la porte à Franklin, mais pas sur les autres. Oh, j'aurais dû y penser avant. De toute façon, c'est perdu pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? C'est juste pour montrer les moments victimes de Dr. Jazz. Où est-ce que tu... Voilà. Ne montre pas ça, espèce de malade mental. Nah, à condition si tu me fais reprendre dans l'émission. Jamais. De toute façon, cette vidéo, c'est que des conneries. Hein. Bon, bah tant pis pour toi. Je vais monter le son. Numéro 1. Dr. Jones est un gros porc. Oh. Non. 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 Coupez-moi ça. Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est vraiment très propre, peut-être Dr. Jones. Tant que tu veux que je te force dessus, ou tu crois sincèrement pas que tu exagères un peu? Non, pense-moi. Je vais prouver à tout le monde, à ces crétins-là, que j'ai des abdos. Bon bah d'accord, tu la fasses ainsi. Oh! Non, non, non! Oh, franchement, même moi je fais de... Quoi? Dr. Joss et Radin, bien sûr, il ne faut pas se cacher. Hein? Où est-ce que... Des cookies pour moi. Eh mais c'est Minako! Il a du camp des divins extrêmes, que je l'ai fait avec amour. Oh! Oh, c'est mignon! Oh, merci! Ne t'en fais pas, j'y penserai à tout. Mais je vais t'en donner un oeil parce que ce sont pas des cookies de base. Alors pourquoi est-ce qu'on mange même pas des cookies? Tu comprends? Oh oui, je comprends. Je vais les donner avec amour. Hey! Bah quoi? Je vais quand même pas les partager. Eux, ils ont rien. Ah, j'ai rien à faire ici. Que pour moi, je mérite beaucoup plus que ces couillons merdasses. Sympa? Dr. Jones se fait tabasser par quelqu'un parce qu'il est refusé au camp, même s'il est inscrit. Notre camp des c'est de toi, il parle. Il a tout commencé. Oh, franchement, je préfère pas le savoir. Oh. Tu dis ça parce que tu es jaloux, hein? N'importe quoi. Je préfère même pas imaginer les 20 candidats que tu vas les inviter. Hein. Ouais. Hé, hey, toi! Ah, tiens, c'est moi! Pourquoi je suis pas dans la liste? Bah déjà, tu pues, tu es moche, et en plus tu es... Et en plus, c'est même pas vu. Bah oui, exactement. Tu es tellement débile. Sérieusement, même moi, je sais mieux défendre que ce canard. Connard. Dr. Jer, ça va? De toute façon, il a même pas volé. Hein. Ça, c'est clair. Je prends ça pour un oui. En plus de manger comme un porc et être radin, il vole même la nourriture au cuisinier pour satisfaire. Ah, je précise qu'il insulte en premier, en prime. Ça, c'est moi! Je vais devoir me compter de ce petit kiwi. Kiwi, tu n'entras pas! Hé, hey, c'est pas très sympa de ta part! C'est pas cool! Je le mérite.
sers, c'est de la merde. Donc mange ta merde. Quoi? Ouais, bah, faut pas. Ouais, bah, j'aimerais lui voir, lui. Ouais. Celle-là, elle est périmée depuis. Depuis quoi? Et alors, ça va me faire un. Oh! Hé, hey, c'est reparti pour un tour! Oh, c'est dégoûtant, c'est... Tu devrais prendre une pain. Je, pour une fois, je regrette pas d'être venu ici. Pareil pour moi. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Il ne sait pas faire les épreuves, même s'il est plus simple. Pourquoi il est présentateur à votre avis? Il n'a rien pour l'être. J'avoue, là, il a marqué un point. Alors bonjour tout le monde, c'est moi Dr. Jers et je vais vous montrer à quel point je peux être badass. J'aime voir ça, hein, j'aime voir ça. Ouais, j'aime voir ça. 1, 2, 3. Sérieusement, même moi je suis capable de faire mieux que lui. J'ai pas réussi mais au moins j'ai beaucoup plus de volonté que lui. Ouais, c'est clair. Hé, hey, fais pas d'ironie. Bah c'est quand même le cas. Oui, j'ai réussi à taper, à passer le premier étage. Ah ma soeur, va. Allez, docteur, ta gueule! Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu regardes? C'est moi ou ça ressemble à un mosquito? Mais qu'est-ce que tu me fais? La caméra, faudrait qu'il soit comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi ce délire? Encore toi, mais... Ça, c'est pour avoir refusé de me faire participer à la DPS 13. Ah, oh, ça t'a vraiment faire mal. Vous voyez ce victime-là, ce Warren. Il a osé me pas faire de me faire priver. Alors je devais être de base un candidat du camp des DPS 13. Ouais, exactement. Il m'a fait pâlir. Là, vous voyez... allez, tiens, prends ça. Je pense qu'on devrait la mettre en privé. Ouais, faut surtout pas que lui... Pas savoir, j'ai même failli faire pipi. Ah. Autant pour moi. Il s'est fait battre par plus vieux que soi. Attends, quoi? C'était les trains. Je me rappelle ça. Oh, ça c'est le bon vieux bleu. Ça c'est génial. Je l'ai fait. Ça c'était... Waouh! C'était quand même génial. Oh, j'ai beaucoup rigolé. C'est déjà mieux que le premier, que le film que Dr. Jones l'a fait lui-même. Ouais, sans oublier les meilleurs moments du Ligue des Héros. Ouais, exactement. Bon bah moi j'ai rien à faire ici. Et s'il y a une chose qu'il faudrait retenir dans tout ça, c'est que Dr. Jones est une fiotte. Oui. Salut les cocos, vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, Dr. Jones s'est filé. à cause de cette vidéo. Et c'était génial. Attends, c'était... Enfin, de toute façon, je m'en fiche, c'était mérité. Hein. Ouais, t'as bien parlé. Mais enfin, qu'importe. Je pense qu'il est quand même grand temps que je retourne à l'idéo. Parce que là, franchement, j'en ai vraiment besoin de me détendre. Au revoir, quand je trouve. Et... T'inquiète pas, remonte quand même le moral après ce qui s'est passé avec Mayona. T'inquiète pas, je vais faire de mon mieux. Oh, moi, je vais faire la cuisine. Ah, je suis pas mal content d'être ici, finalement. Bon, qui a perdu et qui a gagné? Bah, pas pour être tout franchise, moi, Stop, Bobby, Loulou et le Parler ont imité. À l'exception de Gros Schtroumpf, Brigitte et Harold. Bon bah, merci de m'avoir aidé, ça permettra de bien faire appeler aux spectateurs. Bon, Brigitte, Harold et Gros Schtroumpf ont perdu. Et donc, vous allez devoir choisir qui aura le bonus et qui sera éliminé. On se retrouve pour une prochaine épisode. Ah, des fois, je me demande pourquoi c'est pas lui le présentateur. Il est beaucoup plus cool que celui-là. Ouais, ça, je te le fais vraiment pas dire. Oh, je sens mal sur le coup. J'espère ne pas être éliminé. Ah, moi non plus. Ah, c'est pas possible.
Je me suis fait humilier à cause de Ren. Pour être tout à fait honnête... Pourquoi tu t'allonges ? Je me déprime. Pour être tout à fait honnête, c'était un coup de la bande à Franklin. Comment tu sais ça ? Tu sais, la fois lorsque j'ai mis une capsule avec le chargement, ouais. En réalité, j'ai fait juste faire croire qu'à Franklin, c'est juste histoire pour voler les pouvoirs. Mais il ne saura jamais parce que je lui dirai pas. Enfin bref, d'après ce que j'avais compris, c'était la bande à Franklin et Grand Schtroumpf qui savaient et qu'ils ont fait tout ça. Quoi ? Mais comment tu le sais ça ? Je peux pas le dire et c'est en train de filmer, sinon ce serait vraiment plus, ce serait trop facile. Alors la bande à Franklin a osé me faire ça ? À moi ? Oh, 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 ils vont voir de quel bois je vais me chauffer.